Salut à tous, donc petite vidéo. Je vais vous présenter les lampes de mon quartier qui, je me suis rendu compte l'autre jour, quand l'ampoule grillera, elles seront toutes à changer. Alors, on commence avec une Philips des années 80-90. Vapeur de mercure 125 watts. Qui fonctionne très bien, ça fait 5 ans que je suis là, il n'y a jamais eu de problème. Alors, on va continuer. Ah d'ailleurs, l'autre jour, il y a les techniciens de l'éclairage public qui sont passés, et je leur ai dit que j'aimais bien ces Philips-là. Donc, ils m'ont dit, je leur ai dit que j'habitais juste là. Ils m'ont dit qu'ils pourraient les déposer quand ils les changeraient. Donc là, on a deux Philips Marina des années 90 voire 2000. Donc pareil, celles-là elles sont au sodium avec un amorceur interne dans l'ampoule, parce qu'avant c'était au mercure, mais les sodiums avec un amorceur interne ont été arrêtés, je crois bien. Donc celles-là aussi, quand l'ampoule va griller, seront à changer. Voilà. On continue. La même Philips que tout à l'heure. Et encore une Philips Marina avec le même problème d'ampoule plus fabriquée au sodium. Voilà, donc c'est les modèles basse puissance, car on voit qu'il y a des rayures. On voyait qu'il y avait des rayures à l'intérieur, car parce que j'ai trouvé le catalogue d'origine et sur il n'y a pas de rayures dans le réflecteur sur les 150 watts ou plus. Et puis voilà. Bonjour. Et puis voilà. Bah, je filme les lampadaires. Voilà, donc on rentre. J'avais croisé une voisine. On a discuté sur les lampadaires. En fait, il les rehausse. Il les rehausse, les lampadaires, je crois bien, elle m'a dit par rapport à la fibre, enfin bref. Et puis voilà, donc bah merci, et attendez, on peut voir, ils ont pris les impacts de grêlons, les Philips Marina là-bas. Je sais pas si vous pouvez voir. Enfin, voilà, ils ont pris les grêlons, les pauvres. Et puis encore plus loin, bah, y en a encore. Donc bah merci et au revoir. Petit bonus, donc là on est un peu plus loin. On peut voir qu'il y a toujours les bons vieux Philips. C'est pas trop leur nom. Hein. Voilà, 125 watts mercure. Plus loin, on a un Marina. Encore. Et mon village, il n'y a pas que du vieux, il y a des assez récents. Voilà. Mais bon, sinon, voilà. Voilà. Donc, 125 watts mercure. Un petit Philips. Voilà.
bon chat juste là. Voilà. Donc voilà, je marche un peu. On peut voir que ça éclaire pas mal. Voilà, on continue. Donc. Coucou. Ça va? Bon allez, fais une petite balade tranquille. Donc on continue. Là-bas. Là-bas, les petits Philips Marina encore un petit peu sur. Il va y en avoir 4 ou 5 sur toute la route. Et puis voilà. Là-bas, bah ici, le lampadaire au mercure 125 watts. Voilà. On peut voir qu'il éclaire pas mal. Tiens, il veut me suivre, mon chat. Bon. Ensuite, bah, les Philips Marina. Ils sont deux, donc ils éclairent super bien. Voilà. Les beaux petits Philips Marina. Voilà. Les Philips Marina. Voilà. Ils éclairent pas mal. C'est des 50 ou 70 watts, comme je l'ai déjà précisé. Ensuite, bah, on revient sur du mercure. Avec les bons vieux Philips au mercure. Apparemment, ceux-là, ils seraient des années 70. C'est ce que j'ai pu comprendre en discutant avec la voisine. Voilà. Et encore un Marina au sodium. Voilà. Donc la place, elle est bien éclairée. Voilà. C'est bien éclairé. À la place est bien éclairée. Donc voilà. Les deux Marina à côté, là, ils éclairent super bien. Ça irait de vous glisser 2-3 photos. Alors attendez. Pourquoi pas en prendre une? Bon, la carte est quasiment pleine, il me reste 50 secondes. Voilà, 40 secondes. Bon, bah ça va être l'heure de vous dire au revoir. Et je veux pas bouffer toute la mémoire. Voilà. Donc, bah, merci, au revoir. À plus.
Salut à tous, donc bienvenue pour la suite de cette vidéo. Bon, maintenant on va passer au compteur de contrôle. Du coup, regardez. Voilà. Voilà, donc c'est celui qui contrôle mon quartier. Ils ont mis une horloge et un contacteur. Donc là voilà. Voilà. C'est peut-être l'ancien détecteur de jour-nuit. Je sais pas. Bon. Voilà. Avec le contacteur. Si je voulais, je pourrais aller allumer, mais je vais pas le faire. Donc maintenant, on passe au compteur suivant. Heureux. Donc compteur suivant. Donc là. J'ai une clé que j'ai acheté sur Matos Électrique. Voilà. Là on a le contrôle. Voilà le compteur. Voilà. Alors, maintenant je vais prendre un tournevis pour ouvrir la deuxième partie. Donc avant c'était CGLEC qui gérait mon village. Voilà donc le contrôle avec le contacteur, le capteur jour-nuit et les fusibles. Voilà. Voilà, donc je referme. Voilà, allez, compteur suivant. Donc là on est près de la salle des fêtes et on en a un autre sur un transformateur. Regardez-moi ça, le programmateur avec un contacteur
les plombs. Et voilà. Voilà, donc on va refermer ça. Je vous mettrai sûrement le lien de la clé en description. Voilà. Allez. Tout de suite pour le... Voilà, donc là, on est derrière la nationale, près de la maison de retraite. Et on peut voir qu'ils ont été malins des endroits de mon village. Ils ont mis des serrures à clé. Donc, il y en a plusieurs, des compteurs comme ça. Je vais juste pouvoir ouvrir cette partie. Voilà, avec un sectionnaire. Merlingerin et le compteur. Voilà. Voilà. Et puis sinon, on a la serrure à clé. Donc, on ne peut pas y accéder. Donc voilà, allez, à tout de suite pour le prochain. Il y en aura un cassé que je vais réparer. Voilà, donc là on est à côté de l'école où j'étais scolarisé en primaire. Voilà, juste en dessous de la mairie. Et regardez, c'est le même compteur. On peut toujours accéder. Rien que compteur. Regardez, le sectionnaire, les plombs, et voilà. Je peux juste accéder à ça. C'est tout. Voilà. Donc bah, à tout de suite pour le prochain. J'ai oublié de dire, ce compteur là, il est relié avec lui et il commande tout le centre du village, tout. Donc c'est un gros truc. Là-dedans j'avais vu les gars de l'éclairage public, ils l'avaient ouvert, c'est bourré de contacteurs et disjoncteurs. Tout le long il y a des rangées entières, ça contrôle tout le village, tout le centre. Donc bah, merci et à tout de suite. Voilà, donc on est sur le suivant, ça contrôle une bonne partie. Donc voilà, c'est toujours le même, on peut voir que lui il est ouvert, et c'est toujours pareil. Ah, cette fois il y a un disjoncteur comme ça. Voilà. Et donc, hein, il a été ouvert par acquis de conscience, pour le refermer. Voilà. Donc voilà. Puis je crois bien lui là. Celui-là, il fait la salle des fêtes qui est là-bas. Ouais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc allez, go pour le prochain. Bon, là, on est dans le quartier rempli de jardins à quête. Et c'est un type très spécial de coffret. Voilà. On peut voir les fusibles, le différentiel, programmateur, les contacteurs. Et voilà. Bon, ça fait quand même de là à tout là-bas au fond, plus cette partie. Donc voilà. Bon allez, go tout le suivant qui est en très mauvais état. Voilà, donc maintenant je vais trouver celui de mon ancien lotissement. Je vais le montrer dès que la voiture sera passée. Bon, sinon je vous montre mon vélo en attendant. Aujourd'hui, bon, la voiture elle est passée. Voilà, mon ancien lotissement il se trouve là. Il n'y a que des tornes pilotes 70 ou 50 watts. Donc là, on peut voir, il n'a jamais été fermé et il est en mauvais état aussi. Trouver le très vieux contacteur. Bon là je peux pas aller tout en bas, si vous verrez qu'il y a des buissons, mais il a jamais été fermé, donc pour une fois bah, je vais le fermer. Bon, là on va aller sur le plus dégueulasse
de tout le village. J'entends une voiture. Et c'est le quartier rempli de Gérard Narinquette, le deuxième, qui allait passer. Voilà. La super vieille armoire. Voilà. Attendez, je me tiens à une main. Avec les contacteurs. Super vieux truc, il doit avoir l'âge des Girardins raquettes qui sont dans ce truc. Celle-là, je l'ai jamais vu fermer. Je vais voir s'il y a moyen. Oui. Ok. Okay. Elle veut pas. Ferme-toi. Ah voilà. Certaines doivent y avoir des raisons qu'elles ne se ferment pas. Oh, un ULM. On enregistrera dans notre vidéo. Youpi. Voilà, c'est tout. Ah, mais il va sûrement atterrir dans le champ. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, go tout le prochain. Parce qu'il a la porte cassée, normalement. Allez, à tout de suite. Voilà, on est à côté d'un transfo. Et regardez. Le pauvre. Il a toujours un sectionnaire. Et il fusille. On va essayer de prendre un coup de pied. Je vais essayer de le remettre. Parce que je passe toujours dedans, je me dis putain, faudrait que j'en aie ma clé, et pour une fois j'ai ma clé. Clé Le Grand. Ils en font pas, mais je. Ah oui, bah on peut le retirer facile. Bon, c'est pas grave. Au moins ça fait moins d'aigues. Puis il prendra pas l'eau ou les grêlons. Tiens, et des traces de chat. Un sacré bruit, hein. Voilà. Putain, toutes les mouches. Le con qui a posé sa bière là. Il est tout bien. Voilà. Voilà, bon, petit aparté. Hein. Allez, go tout le prochain, qui va, je pense, être le dernier. Ah, peut-être pas en fait. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, on est sur la nationale. Voilà. Toujours à côté d'un transformateur. Tout ceci a été rénové il y a 5 ans. En même temps qu'ils changeaient les lampadaires. Ils ont remplacé par des Indal Alliance. Putain, elle est dure. Ah, peut-être qu'elle est ouverte. Voilà. Ah, encore. Ah, faut dévisser sur celui-là. Je me planque un peu. Voilà. 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 Et un petit pendule. Le contacteur, le porte-fusil. Voilà. Donc voilà. Pas trop vissé, hein. Voilà. Hop. Petit aparté. L'orage de grêle de mars 2017 a défoncé tous les lampadaires à boules de ma commune,
a aussi fait des bosses sur tous les lampadaires avec du métal, comme les Girardin Raquette. Ils ont tous des bosses. Ça a aussi fait des trous dans les capots des Marina de chez moi, de vers chez moi. Et d'ailleurs, il y en a un qui est prêt à tomber, mais ils sont bourrés de trous. Ça a enlevé des capots de plusieurs Marina de la commune. Ça a fait des bosses sur tous les lampadaires. Ça a bien détruit un tas de trucs, hein. Et puis voilà, c'est pour ça, dans ma vidéo, vous voyez plein de lampadaires pétés. Ils ont été pétés à cette époque. Il y en a même un, j'ai vu la photo là tout à l'heure. Ça a détruit l'ampoule avec. Donc voilà. Donc allez, à tout de suite pour le prochain. J'ai eu de la chance, je me suis toujours pas fait cramer. Allez, à plus. À tout de suite. Voilà, donc j'avais oublié de préciser dans l'autre vidéo. Et là, on a un seul lampadaire avec en forme de boule avec le lampe de mercure. Voilà. Et donc là. C'est marrant. Ça passe à travers le verre. Voilà. Contacteur. Plein d'autres contacteurs. Je suis pas sûr. Hein. Truc de fusible. Et voilà. Normalement, si on tourne ça, ça sonne. Voilà, donc le capteur aujourd'hui qui est relié, je ne sais pas trop quoi. Voilà. Ça commande là et là-bas. Merci et au revoir. Normalement, c'est le dernier compteur si je me suis pas trompé. Allez, au revoir. Voilà. Donc, j'ai fini pour les compteurs, les armoires de commande. Mais à propos des grêlons de tout à l'heure, on peut voir que ici, c'est le porte-disjoncteur qui a pris dans. Et pas le Indal Viento IVH. Voilà. Donc voilà, bon, je rentre vers chez moi et je vous fais la vidéo de conclusion. A tout de suite. Tiens, tant que j'y suis, je peux vous montrer les projecteurs du stade vers chez moi. Donc, alors, on est pas mal à contre-jour. Voilà. Donc là, je peux vous dire que c'est des Philips. Je ne connais pas la référence. Et je peux aussi vous dire qu'ils ont des HPIT 1000 watts. Parce que j'ai regardé le cube de près. Et là, je peux pas le voir. C'est des HPIT 2000. Non, 1000 watts et pas 2000 watts. Parce que le tube, c'est un tube. Alors que sur les 2000 watts, le tube s'agrandit à un moment. Voilà, donc on peut voir les câbles pendouiller un peu. Et l'armoire rouille. Parce qu'ils sont vieux quand même. Hein. Mais ils fonctionnent tous très bien. Il doit y avoir une ampoule de grillé, je suis pas sûr, mais voilà, ils marchent tous nickel. Et puis voilà. Donc, allez, bon tiens, si vous voulez aussi les bornes. J'ai vu qu'elles éclairaient blanches la dernière fois qu'il y en a eu, parce qu'il y en a, elles fonctionnent jamais. Ah tiens, d'ailleurs, il y en a une qui est pétée. On va se retrouver là-bas pour voir. Je vais passer par là pour rentrer chez moi, c'est plus direct. Voilà, c'est probablement des Philips. Il y en a une très chelou là-bas. Donc, bon, voilà, encore l'effet des grêlons. Hein. Et celle-là, elle est chelou. Sinon, celle-là, elle est remplie de merde. Ok. Bon. Bah, on va aller voir la casser.
D'ailleurs, on voit les projecteurs de plus près. Donc l'armoire de type Le Grand, je pense, qui est toute rouillée. Ces petits projecteurs de type cool et de type rouille. Alors, on peut voir, voilà. Moi, je peux pas y mettre la tête pour voir dedans, donc je vais vous mettre vous. Si vous y voyez grand chose. Ah. Ah bah non. Regardez-moi ça. Et attends, c'est du plastique. Vraiment nul, hein. Ah, même pas d'ampoule. Pour ça, elle s'éclaire pas. Je crois bien en fait, il y a que. C'est... Attendez, il y a que celle-là qui s'éclaire. Quand elle veut bien, parce que ça doit être la seule qui est neuve. Elle commence déjà à être pétée. Enfin, bref, ici, hein, les bornes du stade, c'est carrément de la merde. Sinon, profite, hein. On est à côté. Oh, en fait, non, je viens de me rendre compte, c'est bien des 2000 watts. Que le tube s'agrandit. HPIT 2000 watts. Voilà. Je vais voir. Il y a trois projecteurs, ils ont du câble de peut-être 4 ou 6 mm pour y alimenter. Ils doivent être en dérivé avec les autres, parce qu'il y a des câbles énormes. Puis voilà. Ah non, parce qu'ils les allument un par un. Ouais, ils peuvent les allumer un par un. Enfin bref. S'en fiche un peu. Et regarde-moi ça. Oh, c'est... Mais je peux secouer l'ampoule, elle grillera pas, il n'y en a pas. Quel tas de merde. Oh. C'est du plastique. Bon, je vais pas vous emmerder plus. Bah, vous savez quoi, on va discuter maintenant. Alors, bon bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, parce qu'elle m'a pris vraiment énormément de temps à réaliser. Sachez que les vidéos du début ont été tournées il y a longtemps. Ont été tournées, je sais pas moi, il y a un ou deux ou trois mois. Avant la sortie de... Enfin, avant que cette vidéo soit finie de réaliser. Il y a les photos... les vidéos du début avaient été tournées avant un ou deux mois avant que je fasse le montage. Les photos après, pour la plupart, ont été prises le jour où j'ai fait le montage. Il y en a quelques-unes que j'ai prises aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça fait, je sais pas, un mois que j'ai fait le montage. Et du coup, j'ai fait les vidéos des armoires électriques. Donc cette vidéo m'a demandé énormément de temps à faire. Énormément sortir la nuit. Ouvrir toutes les armoires sans se faire cramer. Ça a été compliqué. Donc ça m'a pris énormément de temps à réaliser. Et puis le montage, là, je vais continuer. Parce qu'il y a des références. À la place de Girardin Raquette, j'avais mis NFI 125 parce qu'ils se ressemblent. Du coup, je vais devoir modifier des noms. Il y en a, je ne savais pas les noms que j'ai découvert entre temps. Et puis, donc voilà, ça m'a pris énormément de temps. Et là, j'en ai encore pour un bon bout de temps. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée en entier. Et à plus. Bon, hein, alors, je ne suis pas sponsorisé. Mais je dis juste, si vous voulez n'importe quel matériel électrique, des coffrets, des boîtes de dérivation, même des projecteurs d'éclairage public, des lampadaires, allez sur le site, même ce genre de truc là, ces boîtes, hein, voilà, que des gens du voyage ont bien explosé pour pomper du jus dessus, et ben
aller sur matérielélectrique.com, tout attaché. C'est là que j'achète. Par exemple, j'ai acheté un bloc de secours, un BAS Luminox. J'ai acheté plein de trucs. Donc voilà, si vous voulez aller acheter quelque chose, allez sur là-bas. Le lien sera dans la description, tout comme ma clé pour les armoires d'éclairage public. Allez, à plus !